Salut les Balls, c'est Salut. Titi et je suis avec Dromar, Bonjour. voilà, qui joue. Un de plus mécanicus. Voilà, bon, je crois que ça se voit un petit peu, hein, À peine, à à peine. peine. Et du coup, on est reparti pour un rapport de bataille en 1000 points cette fois-ci, dans le format 169 points. 169 points exactement, avec des scénarios ici. Avec scénario TC, bien sûr. Parce que du coup, le format 169 points commence à faire parler de lui un petit peu, hein. Et du coup, on s... Ah! Oh merde! Merde! Oh Tu vas non! mourir! Non! Non! Oh mon Dieu! Ah, Non, tout va bien, on est revenu, tout va bien. revenu. Skitaku, il est toujours avec nous. Harry, c'est Harry de Skitari. Arrive, le Skitari est toujours bien. Il est en vie, ne vous inquiétez pas. Mais il se sent bien. Donc voilà, donc on va tester ce format 169 points. On va voir ce que ça donne. Voilà. Un affrontement sur une table comme Mécanicus. si on les aime, voilà, exactement, Voilà, je... contre de vils cafards de l'espace. Oui, Et mais oui. on leur montrer qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous. Et on Exactement. se retrouve juste après pour la présentation des armées. À plus! Alors, voici les 1000 points de Dromar. Dromar en Mécanicus. Nous Alors. avons donc un QG Manipulus. Ouais. Le petit QG de Blackstone Fortress Daedalus. D'accord. Comme première troupe, j'ai 3 Breachers, 3 Cataphron Destroyer avec canon à plasma et lance-flamme Conis. D'accord. Une troisième troupe avec 10 Vanguard avec 3 plasmas, 5 Infiltrators avec Matraque Taser et éclateur à fléchettes, OK. 10 Electroprest Corpus Cari, 2 transports d'une Rider et 2 Dragoons. Et c'est un bataillon de Risa. Ok. Alors, pour mes 1000 points de tyrannide en flotruche Léviathan, nous avons un bataillon avec une escouade de 9 Vorace, 10 petits Hormagaunt, 21 Termagaunt avec dévoreurs qui seront dans la couille volante. En QG, nous avons le Malanthrope, un Eurotrope, puis nous avons un deuxième détachement, un détachement élite avec le Genes Alpha, deux Lictors et trois Hive. Et voilà. Fin de phase de déploiement. Donc nous avons les Mechanicus qui se sont déployés là, qui normalement commenceront. Avec un déploiement agressif. Voilà. Donc les dragoons dans les starting blocks, Ouais. soutenus par le manipulus qui peut lancer son aura pour augmenter la rapidité de ses unités. Nous avons Daedalusius qui aimerait bien rentrer dans les transports, Mais mais qui il n'y a peut? pas le droit. Donc il sera obligé de courir derrière. 10 Corpus Cari dans un transport d'une Rider. Ici nous avons les 10 Vanguard dans un transport d'une Rider également. Les cataphrons en position haute pour pouvoir bénéficier de bonnes lignes de vue. Et D'accord. 5 infiltrators placés En en fait, réserve. ok. Et du coup, tu as accès déjà au l'objectif 3 Numéro 3 et le 2 qui est juste là à côté. et numéro 2. Quant à toi. Quant à moi, eh ben, je me suis mis dans le coin parce que normalement, je n'ai pas le premier tour, mais quand même à portée de l'objet 1 et à portée de l'objet 4 qui est juste là. Avec les Hiveguard qui sont dans la ruine et qui lèchent la ruine pour avoir le couvert. Les Digons qui font des petits tours autour des persos pour pas qu'ils soient ciblables. Le Malanthrope pour donner moins 1 à tout ça. Et mon escouade de Vorace pour finir. Et mes FEP. Alors ma couille avec mes Termagaunt et mes deux Lictors. Et du coup, on sera sur le scénario 1 ETC. Donc, c'est-à-dire qu'on marque, on prend une carte Maelstrom au premier tour, plus à partir du second tour, une carte Maelstrom par pion objectif qu'on contrôle.
Et en Eternal, ça sera à la fin de la game. Ça sera un point de victoire pour un objectif qu'on contrôle dans notre zone, 3 pour un qui est dans le No Man's Land, et 4 dans la zone ennemie. Et tout de suite, la reprise d'initiative. À moins que je te laisse commencer. Ou que tu me laisses commencer. Est-ce que non. Tu... je non. Veux avoir le tour 1. Il veut le tour 1. Est-ce que je lui reprends? Et non, c'est un 5. Du coup, ça va être le premier tour du Mechanicus. On se retrouve juste après le premier tour. Fin de phase de mouvement. Du coup, tu as chopé l'objectif de Chris. Critique de mission, prendre l'objectif numéro 3. C'est parfait, il est juste là. Voilà. J'ai avancé de manière prudente en utilisant le cantique. Je l'ai tiré aléatoirement, je suis tombé sur le numéro 6, à savoir relance léger pour toucher qui font 1. D'accord. Ce qui m'a amené à penser que je pouvais tenter de faire une phase de tir directement sur tes gardes Hive Guard. Ouais. Voilà. Mais je n'étais pas à portée, donc j'ai décidé d'utiliser la capacité du Manipulus de booster la portée des armes de toutes mes unités dans un rayon de 6 pouces. C'est donc pour ça qu'il n'a pas bougé. D'accord. Le reste de l'armée s'est positionné pour prendre les objectifs et commencer à menacer le centre de l'attaque. Ok. Eh bien, écoute, on se retrouve pour ta phase de psychique. Voilà. Pas de phase psychique pour la Deltus Mechanicus. Bon, eh ben, vas-y, feu, tire. Allez, on fait... Que vas-tu nous faire? Donc, les Cataphron Destroyer qui sont ici vont tirer sur tes Hive Guards. Qui sont là en dessous. Juste ici. Ok. Alors, normalement, il n'y en a qu'un seul à portée, mais grâce à l'aura du Manipulus, la portée de leur Coulobrine à plasma passe de 36 à 42 pouces. On est donc large. Je te fais donc 3d6 tirs de force 7, reine moins 3, dommage 1. Touche normalement sur du 4+, tu es à couvert et tu es à portée du Malanthrope. C'est donc du 5+, combien de tirs? 5, 3 et ça. Donc ça nous fait 11 tirs, 6, 9, 10, 11. Ça touche donc à 5+, relance les 1 pour toucher grâce au cantique. Ok. Ouh, c'est un jet. Ça commence en beauté. On relance les 3D. Oh mon dieu, c'est bien parti, on va ça, dire. Ça a piqué. Hein. Ça démarre sur les chapeaux de roue, Jean-Mi. On fait endurance 5, force 7. C'est donc du 3 pour blesser. Voilà, tu as donc 6 blessures, reine moins 3, dommage 1. Donc, alors, 6 save. Voilà. Ah, mais tu as des Phenopain. C'est magnifique. Et du coup, t'as dit dégâts. Dégâts 1. Dégâts 1. Bon, bah j'ai 6 Phenopain. J'ai pas pris le risque de surchauffer quand. Voilà. En plus, Allez, 6 PV, donc 2 Hive Guard mord. Bonne entrée en matière. Et du coup, je perds ma capacité anti-char. C'est pas mal. Je vais le laisser. Et je vais enlever ces deux-là. Du coup, les trois breachers qui sont ici vont tenter de tirer sur la même escouade. Il n'y en a que deux qui peuvent le voir. D'accord. Je fais donc seulement 4 tirs. De force 6, reine moins 2, dommage D3. Ils ont bougé, mais ils n'ont pas de malus pour tout bouger et tirer. Mais tu es toujours à hors norme du malanthrope, donc c'est du 5. Rien du tout. Très bien. Nous avons donc... encore quelques tirs ici. Le tank d'une Raider possède 4 mitrailleuses Konis. Il fait donc 12 tirs. 12 tirs de force 4. Pas de pénalité pour tirer en mouvement. Il va tirer dans tes Ormagunt. D'accord. À moins 1 à cause du Malanthrope. Relance léger pour toucher qui font 1 grâce au cantique. Ça ne touche donc que sur du 4. Ça fait donc 4 touches, qui blesse à 3, 4 sauvegardes, pas de rend. Alors, 4 save à 6, voilà, 4 fine pain à 6, 4 voilà, 4 morts. Bien, nous allons continuer avec le deuxième transport. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tirs.
qui va faire exactement pareil. Mm-hmm. En touchant à 3+, il les voit. En touchant à 3+, moins 1. Moins 1, donc mais 4. Relançant les 1. Donc ça nous fait juste 6 touches. Mm-hmm. Qui blesse donc à 3. 3 blessures. Alors, 3 saves à 6. Non, toujours rien. 3 fines de pain à 6. On va réussir. Bah, ça fait 2 morts de plus. Est-ce que tu as autre chose ? Non, c'est la fin de ma phase de tir. Mm-hmm. Il n'y a pas de charge. À la fin de mon tour, je score l'objectif critique de mission sécurisé, l'objectif 3, grâce au Dune Rider. Ok. Et c'est ton tour. Ça marche. Fin de ma phase de mouvement. Du coup, moi, j'ai tiré défendre l'objectif 2. Qui est ici. Qui est bien gardé. Et du coup, j'ai juste pris l'objectif 1, sécurisé l'objectif 4 pour le tour suivant, si je suis encore là. Je me suis mis à portée de magie pour défoncer le petit cul du dragon qui dépasse là. Et sinon, et ben, ça n'a pas bougé tant que ça. Donc, phase psychique. Je vais lancer un smite. Je te laisse faire. Du neurotrope, c'est trop gentil. Sur le dragon. Ça passe à 8. Donc, ça fera 3 mortels dans le dragon. 3 mortels dans le dragon. Ensuite, le neurotrope balance un hurlement psychique dessus. Ça passe. Et ça nous fera de nouveau 2 mortels. Il perd donc en tout 5 PV, il lui en reste 1. Et ensuite, le Broodlord va balancer un smite, du coup un smite à 6. Ça passe à 10. Sur le dragon, il perd 3 mortels. Alors, un dragon meurt, le deuxième perd 2 points de vie. Est-ce que peut-être qu'il va exploser ? Non. Et non. Donc, 2 points de vie en moins sur le deuxième dragon. Donc, phase de psy finie, phase de tir, le Hiveguard qui sent, ma foi, un petit peu seul. Qu'est-ce qu'il va shooter ? Le dragon, j'ai moins 1 pour les toucher. Moins 1 pour les toucher en permanence, ouais, avec des armes de tir. Je vais commencer à entamer ça là, parce que j'ai que 2 tirs sur du 3. Voilà, ça c'est magique. C'est un beau jeu. Voilà, phase de tir finie, pas de phase de charge, tour 1 terminé. Je score que dalle. Est-ce que tu défausses ton objectif ? Et le défausser. Non, je le garde. On va se marrer. Et c'est parti pour le tour 2. Des Mechanicus. Ok. Alors, début du tour 2. De l'Adeptus Mechanicus. Donc. J'ai choisi ce tour-ci d'être à couvert. Mm-hmm. J'ai tiré l'objectif détruire une unité et défendre le 3. Le 3 est toujours tenu par ma barre de commandement. Très bien. Et détruire une unité, mes cataphrons vont tenter de renouveler leur bonne phase de tir en exterminant le dernier gardien des ruches. Ok, d'accord. Sinon, je fais un peu de remplacement pour occuper la zone et temporiser jusqu'à ce que la couille volante débarque ses petits gaunt. Ok, ben vas-y pour ta phase de tir. On va tenter de tirer. Les cataphrons font donc 3D6 tirs sans surchauffer. Ils nous font 8-13 tirs, ce qui est une bonne moyenne. 6, 9. 12, 13, ça touche donc à 5+, il n'y aura pas de relance cette fois-ci. Ça touche donc à 5, c'est pas mal du tout, il y a un jet qui est cassé. Endurance 5, oui. C'est donc du 3. Ça te fait donc 4 sauvegardes. Alors, 4 save, du coup à 6. Voilà. 4 fines de pain à 6. Je perds pile poil 3 PV, l'unité détruite. Je scorerai donc le pas de prisonnier. Ensuite, les Breachers vont tenter de tirer dans les nuées de Vorace. Ok. Je pense que les 3 le voient, je vérifie. Oui.
Ce qui va nous faire donc 6 tirs dommage D3 force 6. Touche toujours sur du 5 à cause du malanthrope. Pas de relance. Ça nous fait donc 2 touches. Ça nous fait donc une blessure. Tu n'as pas d'armure, mais tu as D3 Finopane à faire. 2 Finopane. J'en réussis un, je perds un PV sur un socle. La victoire est proche. Ensuite, nous allons avoir les Dune Riders qui vont tirer dans la masse et attendrir l'infanterie. Donc ça nous fait donc 6, 7, 9, 11, 12 tirs du premier Dune Rider qui va tirer dans les voraces en touchant à 4+, en blessant à 3+. Ça nous fait donc 2 blessures. Alors, 2 save à 6. Non, 2 Finopane à 6. Oui, je perds un PV de nouveau. Le deuxième Dune Rider va faire la même chose. En touchant à 4, pas de relance. Et en blessant à 3, avec ses mitrailleuses force 4. Ça nous fait donc 4 blessures. Alors, 4 save à 6. Non. 4 Finopane à 6. Rien du tout. Non plus. Donc je perds un socle, 2 socles. À la fin de ce tour, je commence à défendre l'objectif 3 et je score objectif critique de mission. Et pas de prisonnier. Pas de prisonnier. Ok, ça marche. Alors, début du tour 2, Tyrannide. J'ai chopé sécuriser l'objet 1, pas de prisonnier et j'ai toujours défendre l'objet 2. Il est tenu. Qui est toujours là-bas derrière. Du coup, j'ai avancé avec mes voraces. J'ai fait avancer mon petit missile, le Genes Alpha. J'ai fait FEP ma couille et j'ai sorti mes Thermagones pour tenter de grappiller quelques morceaux de peinture sur le véhicule et de tenter de le charger, on sait jamais. Derrière, mes deux Lictors sont venus en étau pour aller chasser du petit perso. Ouais, en mode assassin. À la base, j'ai été pensé pour aller loquer cette unité. Oui, tu avais la place ici. Malheureusement, l'Adeptus Mechanicus a accès à un stratagème. Pour 2 PC, une unité d'infanterie peut tirer sur unité arrivant de réserve dans un rayon de 12 pas. Et comme le Maniculus qui est ici a augmenté la portée de leurs armes, leur lance-flamme Conis passait de 8 à 11 pas, ce qui aurait pu faire une sacrée douche. 3d6 tirs de force 4, plus les 3d6 tirs de force 7 avec moins 1 pour toucher. Donc c'était pas forcément une très très bonne idée d'arriver ici, ou même d'essayer de charger le Manipulus, puisque il pouvait faire exactement le même stratagème. Et en plus, lors du tir de contre-charge, il a une arme touchant automatiquement avec des 6 tirs, qui du coup passait de 8 à 11 pas. Du coup, en gros, c'était une idée de merde, et on se concentre. De toute façon, c'est toujours comme ça. Faut déjà taper, toujours taper les plus faibles dans le dos et en supériorité numérique. Exactement. C'est la base de la base. Et du coup, on va faire la phase de psy. Alors, phase de psy, mon neurotrope va faire la même. Un petit châtiment, cette fois-ci, sur ces petits gars-là. Ça fait 3, mais je reroll les 1 parce que je suis un neurotrope. Et ça passe. Sans problème. Et ça nous fait une mortelle. Une mortelle, chacun ayant 3 points de vie. Ensuite, hurlement psychique sur la même. Ça fait 9, ça passe. Ça nous fait une mortelle. Bon. Et le dernier, châtiment sur l'alpha. Quoique. Non, il va se mettre catalyseur sur lui-même pour qu'il encaisse un peu mieux, comme je l'envoie au charbon. Et bien sûr, ça ne passe pas. Je reroll le 1 pour un PC. 4, ça ne passe toujours pas. Mince. Diantre. Donc voilà, phase de psy moyenne. Et on va faire la phase de tir. Phase de tir, la couille va tirer ses étrangleurs dans les breachers et les dévoreurs des gaunts dans le véhicule. Alors c'est parti. Donc c'est 5d6 tirs. C'est pas mal. 12, 13, 14, 15,
20 tirs. C'est une CT de 5+. Tac. Ça blesse donc à 4. Et à 4. Force 5, endurance 4 sur du 4. Ça a du Ren ? C'est Ren moins 1. Donc ça a 4 save. 1 moins 1. 1 moins 1, donc sauvegarde à 4+. À 3+ même. Donc ça 2 PV. 2 PV. Il y a donc 1 mort et 1 blessé. Maintenant, alors, c'est parti pour le saut de dés des dévoreurs. Alors, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Hop. Merci bien. Ça. Donc, 3 tirs chacun de force 4 contre l'endurance 6 du Dune Rider. Ça va être donc du 4+, 5+. Et reroll des 1 pour blesser parce qu'ils sont 20 ou plus. Ren, il y a du Ren ? Non. Hop. Alors attention, je vais balancer. Ça y est, voilà. Envoie la purée. Allez, sur du 4. Hop, cassé. Tac, tac, tac. On va enlever les ratés. Tu faisais combien de tirs d'ailleurs ? Ben, ils étaient 21 x 3. Ils étaient 21 x 3. J'ai arrêté de compter. Un certain nombre, voilà. J'ai arrêté de compter à la maternelle alors. Oh, j'ai arrêté en 6ème. Hop. Sur du 5, reroll des 1. De toute façon, on admet qu'on compte en binaire. Donc, Voilà. Reroll des 1. Bon. Même contre les véhicules ? Oui. C'est okay. En fait reroll des 1 pour blesser dès qu'ils sont 20 ou plus. Ok. Ils sont 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 15 save. Ça blessait à 5, ça c'est un 4. Ah, j'ai dû. Donc 15 sauvegardes. Merci. 15 save sans malus. Ok, donc je suis à couvert à cause du quantique numéro 4. 2 plus. C'est donc de la 2 plus. 1 PV. Bah c'était rentable ça, dis donc. Tout, tout, tout. Alors, du coup, j'ai fait qu'un PV là-dessus. C'est pas brillant, hein. Il est plus efficace, en effet. Mais écoute, je vais claquer 2 PC pour refaire tirer une escouade d'infanterie. Mm-hmm. Parce que j'ai des PC et qu'il faut que je les utilise. Donc, c'est reparti. Ok, je vais te mettre ça. Ouais. Allez hop, c'est reparti pour la sauce. C'est vraiment très satisfaisant d'en lancer une telle quantité de dés. Oui, parce qu'en fait, c'est pour les gens comme moi qui ratent souvent les jets de dés. J'ai besoin de lancer des troupeaux. Oui. Bah en fait, cette escouade coûte pas si cher que ça, et le niveau de la saturation de tir, elle est vraiment intéressante, quoi. Oui, bah contre de l'infanterie, ça marche. Bon, contre du char, voilà. C'est pas vraiment la cible de prédilection, mais effectivement, il y a du potentiel dans cette escouade. Reroll des 1 toujours pour blesser. Mm-hmm. Hop. Tac, 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 tac. Hop, ça fait 2, 4, 6, 8, 10 save. 10 save, donc à 2 plus. Toujours à 2 plus. Je rate encore un PV. Bon, bah au moins c'est constant. Du coup, fin de la phase de tir. Déclaration de charge, l'alpha va charger les deux breachers et le dragon derrière. Les breachers vont donc tenter de faire un tir d'Overwatch à 6+, rien du tout. Je lance mes dés pour la charge. 4, c'est largement 4, suffisant pour arriver en contact. Voyons voir cela, oui, tu es à 5. Ça passe. Même pour celui-là. Je vais me mettre ici. Et ensuite, les Gaunt vont tenter une charge sur le véhicule.
Très bien. Le Dune Rider est équipé de mitrailleuses Cocknis. J'utilise donc pour un PC le stratagème mise en alerte Cocknis. Les armes Cocknis de l'unité peuvent tirer en Overwatch à 7 et normal. Ce qui va nous faire Douyus Tir, touchant à 3+. Voilà. Et blessant à 3+. Ce qui te fait 6, 9 sauvegardes, s'il te plaît. Alors. 9 sauvegardes à 6. C'est pas mal, j'en sauve 3. Finopane à 6. Ça me fait 4 morts. Et je fais maintenant ma charge. Qui réussit à 9. Fort bien. Ensuite, les lictors. Premier lictor dans le petit bélo qui est là. Dae de Losus va tenter de tirer en état d'alerte avec son pistolet D3 tirs, un seul tir. Est-ce qu'il touche? Il ne touche pas. Est-ce que je charge? Non, je reroll ma première charge comme je suis un lictor. Et 7, ça rate. Le deuxième lictor va faire la même. Je ne le vois pas, je ne tire pas dessus. Tac, 9, oui. Le deuxième lictor, il y va. Il y va, il est chaud. Et on se retrouve 9. Pour la phase de cac. Phase de cac, je vais commencer par l'alpha. Très bien. Venir. Et qui va taper sur les deux bricoleurs. Donc alors, il touche à 2+. Merveilleux. Il a une force de 5. C'est donc du 4+. Du 4+, relançable. Donc il y en a déjà deux qui touchent. Enfin, qui blessent. Relançable. Et ben, ça nous fera que une PA moins 6, dégâts 3. D'accord. Et 2 PA moins 3, dégâts D3. Ok. J'ai donc une sauvegarde invulnérable de 6+, donc pour celle qui fait dommage 3. Ouais. Rien donc du tout, il meurt. Et deux armures à 6, mm-hmm. Un vu à 6, peu importe, raté. Donc 2 des 3 points de vie pour le dernier. Donc 2 des 3 PV, bah 3 et 3, donc il meurt. Aucun. Aucune et surprise même. Là-dessus. Et donc tu peux consolider. Et je vais consolider de 3 pouces. Vers le dragon qui est l'unité la plus proche. Voilà. Mais en me mettant... Ouais, c'est... Ensuite, est-ce que tu veux dépenser 2 PC pour taper avant moi? Pour sauver Daedalusus peut-être? Non. On va voir s'il affronte son destin. Là, je vais du coup activer le Lictor. D'accord. Qui fait hop, sa petite conso. Ah, c'est bien. Et du voilà. Coup, Daedalusus va juste... Faire face à l'abomination. On dirait vraiment une créature de Cthulhu, quoi. C'est Cthulhu. Oh mon dieu! Alors, tu vas voir, c'est impressionnant. Alors, le Lictor, c'est 3 attaques. Très bien. Et je vais choisir, du coup, la serre préhensile, qui a dégâts 2, PA moins 1. Vas-y. Donc, ça touche à 2+. Oui. Voilà. Toujours faire 1. C'est la base. Toujours faire 1. C'est force 6. Endurance. Oui. Alors, endurance, si je ne dis pas de bêtises, endurance 4. Sur du 3. Et bien ça fait une save à moins 1, dégâts 2. Donc, Daedalusus possède un champ de force qui lui donne une 5+, un vu. Raté. Ça fait 2 dégâts. 2 points de vie. Ensuite, les Gaunt. Tac, 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 les Gaunt, hop. Font leur mise en contact. On fait le tour du véhicule. Et on va taguer le véhicule. Ouais, en essayant. On est des délinquants. On est des taggeurs. Mine de rien, les corpus carrés à l'intérieur doivent être en assez de mauvaise humeur. Parce qu'ils entendent quand même qu'on est en train de taguer leur véhicule. Pas content, quoi. Hop. Tac, tac. Hop, c'est un petit peu long, mais c'est normal. C'est des tyrannides, on a l'habitude. Ça va bien aller. Ok.
Alors, ça n'a qu'une patate par pélo. Mmh. Voilà, 4 plus. Touche. J'ai une endurance de 6, tu as une force de ? De 3. Une force de moule, donc. Donc, sur du 6. Et ça fait quand même 3 sauvegardes. 3 sauvegardes. Sauvegarde à 3+. Et 3 points de vie. Ils sont meilleurs au corps à corps que au tir. C'est fabuleux. C'est fantasmuleux. C'est impressionnant. C'est saucissonnant. Hop. Et du coup, je me... Je tente... De me faire un cercueil, ou du moins d'empêcher mes corpus cari de débarquer. Je tente la cercueillonite, mais ça ne va pas marcher. La mise en bière. La mise en bière. Très bien. Mais ça va être compliqué. Très bien. Et du coup, tu peux riposter. Je peux riposter tout à fait avec mon tank. Es-tu à plus d'un pouce de mon dragoon ? Oui, je suis à plus d'un pouce de ton dragoon. Dan Ned. C'est fait exprès. Ah. Et bien, dans ce cas. Le plan. Ça, c'est, tout fait partie du plan. Et bien, donc, le tank va lancer sa rage. 3 attaques qui touchent à 6, une touche. Qui blesse donc à 2, force 6, une sauvegarde. Une save à 6. Ah ben là. Peut-être un Vinopain ? Tu es à portée. Je dois être à 6 pas d'un synapse, je ne le suis pas. Damned. Ça fait un mouru. La victoire est proche. Daedalus peut riposter contre le Lictor. Tout à fait. Tu il a donc pour me toucher. Magnifique, il a une attaque. Qui ne touche pas. C'est un 1. Et du coup, fin de phase de corps à corps, je vais dépenser 3 PC pour refaire taper notre ami. Tu as le droit, puisque j'ai tu avais des caractères in charge. Et du coup, j'ai 3 pas. Et je vais aller par là. Très bien. Du coup, en même temps, je regagne le Feel No Pain avec les cocos. Parfait. Grâce à mon socle hyper long. Et plus c'est long, plus c'est bon. C'est bon, plus c'est long, plus c'est bon, en effet. Allez, à 2 plus. Full touche. Endurance 6. Ouh, force 5. Donc c'est donc 5 plus. Ah, oh, putain. Ah mon dieu. Reroll. Bon, les rerolls, je crois qu'on a... Oh, Omnimessi, préserve-moi. Qu'est-ce que c'est que ce jet? Donc, 3 save à moins 6. Ah, j'ai une invulnérable à 6 plus, j'y crois. Moi, j'y crois. Ah, okay. Je meurs. 9 PV. Et je meurs. Est-ce que j'explose en me vengeant de ta sale bestiole? Non. Nope. Rien du tout. Détruit. Oui. Et tu peux donc faire ta mise en contact. Hop, 2, 3 pouces. Tout en restant à 6 pouces. 2. Ah. Eh ben, il a plutôt bien marché ton missile. Mon missile a bien marché. Je suis content de lui. D'accord. Il peut rentrer. Voilà. Et du coup, alors, fin du tour des Tyrannides, je fais sécuriser le 1. Mm-hmm. Et je fais pas de prisonnier. Très bien. Et du coup, bah, ça va être ton tour 3. Donc, début du tour 3, Mechanicus. Qu'est-ce que tu as eu ? Eh bien, pendant ton tour, j'ai scoré défendre l'objectif 3, mm-hmm. et je viens de tirer le sécuriser l'objectif 3. Décidément. Ce qui se trouve ici. Donc, le premier transport qui mm-hmm. libre ses mouvements a foncé pleine balle en direction de la ligne tyrannide. Ouais. Les infiltrateurs ont choisi ce moment pour révéler leur position à 9 pouces des voraces. Ok. De ce côté, malgré la tentative tyrannide pour encercler le véhicule, j'ai pu débarquer tous mes corpus carrés dans un rayon de 3 pas de la coque et à plus d'un pas des Termagants. Mmh. Ils ont ensuite bougé de 6 pas pour se rapprocher. Le chef a activé sa capacité pour augmenter les portées de mouvement, charge et sprint.
et il a pu bouger cette fois-ci. Daedalus a fait un repli stratégique pour échapper au Lictor. D'accord. Et donc, c'est la fin de ma phase de mouvement. Le Manipulus va tenter de soigner des 3 points de vie à Daedalus. Il lui soigne 2 points de vie. Daedalus échappe à la mort. Nous avons donc fin de la phase de mouvement, début de la phase de tir. Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon, hein ? Alors, je vais nous régaler avec quelques petits tirs dont j'ai le secret. D'après, dans un premier temps, Daedalus utilise sa capacité omniscanner et va désigner le gros vilain pas beau. Ouais. Dans un rayon de... Il est visible, il est à 24 pouces. Ce qui donne un bonus à toutes mes unités Atmec dans un rayon de 6 passes de Daedalus. Quand ils tireront sur cette escouade, ils auront plus 5 pour toucher. D'ailleurs, c'est peut-être une erreur. C'est complètement une erreur. Je vais plutôt désigner le Lictor. D'accord. Puisque j'avais oublié que le l'Alpha étant un personnage indépendant, les Corpus Carré n'auraient pas pu tirer dessus. Ok. Donc, le Lictor est désigné. Daedalus ne pouvant pas tirer après avoir fait une retraite, il va quand même utiliser sa capacité spéciale une fois par partie pour soit infliger des 3 mortels à une unité dans un rayon de 3 pas, soit soigner des 3 points de vie à une unité Mechanicus dans un rayon de 3 pas. Et je vais tenter de faire des 3 mortels dans le petit Lictor. 3 mortels. Donc 3 mortels, il lui reste un PV. Ensuite, les Corpus Carry ayant peu de cibles à se mettre sous la dent et ne pouvant pas tirer sur le Broodlord, vont tirer sur le Lictor numéro 1, qui est ici. Ouais. Mais ceux qui peuvent vont tenter de tirer sur le deuxième Lictor qui est à l'arrière, d'accord, bien caché dans le décor. Donc, nous allons faire tirer 1, 2, 3, 4, 4 Corpus Carry dans le Lictor. J'ai donc moins 1 pour le toucher, c'est ça, à cause de sa capacité caméléonine, c'est ça ? C'est ça. Mais, Daedalus étant passé par là, je me redonne plus 1. Je touche donc à 3+. Ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 tirs. 3 tirs chacun de force 5. Et là, ça va être assez rigolo, puisque chaque 6+, pour toucher, fait comme le Tesla des Immortels Necrons, 3 touches au lieu de 1. Donc ce qui nous fait donc, à ce moment-là, 15 touches. 15, 16, 17, 18, 19, 20 touches. Nous en avons 12 ici. Force 5, PA 0, blesse donc sur du 3. Pour l'instant, nous avons 15 blessures. Attends, parce que c'est avec 3 PV. Hein. Et donc, nous avons encore 3 blessures. Donc vous avez donc 18 blessures sur le Lictor qui n'a plus que 1 PV. Alors, ça va aller vite, tu vas voir. Il est mort. Il est mort. Les autres Corpus Carry ici vont tenter de tirer sur ce Lictor. Il y en a 1, 2, 3, 4 qui peuvent tirer. Ça n'a fait 12 tirs. Mais cette fois, un malus de moins 1 à la touche, les 6 plus ne déclencheront pas de touche supplémentaire. Et ça touche donc sur du 4. C'est déjà moins, je moins préfère. Fort. Force 5, c'est du 3. Pas de PA, tu es à couvert. Tu as donc 4 sauvegardes. Alors, normalement, j'ai une sauvegarde, si je dis pas de conneries. Améliorée, je pense. Oui, parce que... Hein, quand même. Censé être... Vengeance, Daedalus s'est vengé de son tourmenteur. Du coup, j'ai une save à 5, mais j'ai plus 2 à mon couvert. Parce que je suis Lictor. Donc, save à 3. Tout à fait. Ça fait 2 PV. Il m'en reste 2. De ce côté, nous allons tenter de mettre fin au règne de terreur de cette abomination. Le Manipulus, regarde un peu ta cible, tire avec son canon transsonique, ouais, et 6 tirs de force 4, raid moins 1, dommage 2, 3 tirs de force 4, endurance 5, c'est donc sur du 5, rien du tout.
L'escouade de Vanguard Skitari va dépenser un PC pour augmenter sa capacité de tir avec le stratagème Protector, je ne sais plus, stratagème Protector conquérant des Skitari. Donc ça nous fait donc 2 tirs de plasma, il y a 3 plasmas, ça nous fait donc 6 tirs de plasma, je surchauffe, je touche donc à 2+, et les 1 ne feront pas de dégâts, ne feront pas de surchauffe. D'abord, les plasmas, ça nous fait donc 5 touches, force 8, reine moins 3, dommage 2, ça blesse à 3, tu as donc 2 sauvegardes. Donc j'ai 2 invulnérables à 5. De rater. Que je loupe. Donc ça te donne 4 dégâts. Et il reste 2. À 6. Ah oui, j'allais oublier. Catherine Open à 5, non, non. À 6. Oh, je perds un PV. Un PV. Très bien. L'escouade continue sur sa lancée en faisant tirer ses carabines à radium. Ce qui nous fait 3 tirs de carabine radium chacun. Il y en a 7, ça fait 21 tirs. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons ces 13 dés pour l'instant, ça touche à 2, pas de relance. Voilà. Et il y avait 3, 3, 6, 19, 20, 21. Touche aussi à 2. Force 3, PA 0, mais avec une petite particularité, que les 6 pour blesser feront dommage 2 au lieu de 1. Ça blesse donc sur du 5. Ça blesse plutôt pas mal. 4 blessures hein. Classiques. Et 3 blessures, dommage 2. Alors, du coup, 4 classiques. Donc alors, 4 save à 4+. Oui, pas de PA. C'est nul. Tu as une open. Une open à 6. 3 points de vie. 3 points de vie, il en reste 2. Et 3 save. Oh! Suspense, craques-tu un CP pour relancer ce dé? Ah, je suis tenté parce qu'il me reste 2 PV si je loupe un Fin de Pain. Ah, je tente de le relancer. C'est beau. C'était une bonne idée. Donc il me reste 2 PV. D'accord. Je suis toujours en vie. Ensuite, les Catafron Destroyer vont utiliser leurs armes à plasma pour tirer dans les Voraces. Histoire de nettoyer un peu la zone de tir adverse. Combien de tirs vont-ils faire? 3 des 6 tirs. Ça fait 8, ça fait 10 tirs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les voraces, t'as moins 1 pour les toucher. En effet. Tandis que les lance-flammes, ceux qui sont à portée, essaieront de tirer sur l'alpha. Ok. Ça touche donc à 5+. Ça fait donc 2 touches. Et force 7. 2+. Ça fait 2 blessures. PA. PA 3, c'est du plasma. PA moins 3. Dégâts 1. Dégâts 1. Ah, j'ai surchauffé. J'ai 2 Fin de Pain à 6. Eh ben non, ça fera 2 dégâts. Donc un socle où il reste un PV. Et les deux catastrophes destroyers à portée vont faire 2 des 6 tirs de force 4 dans l'alpha. 4 tirs. Force 4. 5. Rien du tout. Très bien. Puis, de ce côté, le Dune Rider va faire tirer toutes ses armes dans la même escouade, ce qui fait 8, 9, 10, 11, 12 tirs dans les voraces. Ça touche à 4 à cause de ton malus. Ouais, c'est ça. Ce qui, mine de rien, augmente drastiquement la résistance de l'armée. Ça blesse à 3. Ça nous fait donc 3 blessures. Allez, 3 save à 6. Non. 3 Fin de Pain à 6. Oui. Je perds 2 PV. Donc un socle qui part. Et un où il reste 2 PV. Très bien. Maintenant, voyons voir si les infiltrateurs sont en jour à portée de ch'tir. Oui. Ils vont donc faire tirer leur pistolet éclateur à fléchette. Ouais. Dans les voraces, toujours avec un malus de moins 1, 5 tirs de force 3 chacun. Pour l'instant, 15 tirs, ça touche donc à 3 de base, moins 1. Donc à 4. Voilà, pour l'instant. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 tirs de plus, ça touche à 4. Voilà.
Et maintenant, force 3, endurance 3, c'est du 4. Nous avons donc 5 sauvegardes. Alors, 100 PA. 100 PA. Donc 5 save à 6, j'en réussis une. Fine of Pain à 6, j'en réussis un. Je perds un socle de nouveau. Très bien. Fin de la phase de tir de l'Adeptus Mechanicus. On passe à la phase de charge. Eh ben, vas-y, je t'en prie. Alors, déclaration des charges. Nous allons faire charger le Manipulus Seigneur de Guerre sur la bête. Mm-hmm. J'ai pas peur, j'y vais. Sans problème, il y va. Il va venir se positionner ici. Ouais. Les vanguardes décident d'aller appuyer leur chef, bien-aimé. Vas-y. Ils font donc 7, ça va ici. Ils pourront donc lui faire bénéficier de sa leur capacité spéciale irradiation pour faciliter la mise à mort de la bête. Voilà. De ce côté-ci, les Corpuscari vont tenter de faire une charge combinée sur les Termagants et sur le Lictor. Mm-hmm. Nous allons bien voir ce que ça donne. Charge à 6. Celle-là réussit. J'ai deux tirs de contre-charge de crochet avec le Lictor à 6. Non, c'est bon, tu peux y aller. Voilà, la charge. Je vérifie que je suis bien en cohérence. Oui. Puis, de ce côté-ci, le Dune Rider va charger les Voraces. Mmh. L'acharnement. Charge à 6. Ok. Voilà. Et les infiltrateurs vont tenter de charger également les Voraces, par contre, ayant juste eu le temps d'arriver des réserves, c'est une charge à 9. Après retirer des pertes, il y a encore un qui est à plus de 9, donc c'est une charge à 9. J'ai deux charges à 9 pour les infiltrateurs. Réussi. Charge à 10, ce qui nous amène ici. Voilà. Nous allons donc commencer par faire le combat des chefs. Ouais. Le Manipulus. Je fais mon facteur Dingaril que j'avais oublié au tour d'avant. Ah mon dieu! Donc 1. Ce qui te donne un bonus aléatoire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Utilisable tout le temps ou quand c'est à chaque début de phase de combat, je lance et ça me fera plus 1 en force. D'accord. Bon, si tant est bien qu'il survit. Ça fait du bien. Si survit. Eh bien, alors, vas-y. Je vais faire donc taper le Manipulus. Son trait de seigneur de guerre lui permet de relancer pour lui et l'infanterie amie à 6 pouces tout léger pour toucher au corps à corps, ce qui nous fait 3 attaques de force 6, -1, dommage 2. Touche à 3. On relance tout pour toucher. Force 6, -1, dommage 2, nous sommes Risa. Nous pouvons relancer les 1 pour blesser au corps à corps. Il n'y a pas de... Donc, 2 blesses. 2 blessures, -1, dommage 2, s'il te plaît. Donc, 2 invulnérables à 5. Ah. Voilà. Aucune des deux. Est-ce que tu relances un des deux? Non. Donc, ça fait 4 fines de pain à 6. Et il meurt. Il meurt, d'accord. Oui, la bête. Donc, il me tue, ma bête. Mais... Je dépense mes 2 derniers PC pour faire... Frénésie meurtrière. Oh, fourbe créature génestileur. Donc je tape avant de crever. Donc pas de plus. C'est un full touche. Donc j'ai plus 1 à la force, j'ai force 6. C'est donc du 3. Du 3 en relançable. En relançable. Aïe 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 aïe. Et du coup, ça ressemble à une réussite critique. Ouais. Ça fait 4 saves à moins 3 dégâts des 3 et une save à moins 6 dégâts 3. Eh bien, ce garde invulnérable à 5 plus pour les 4 premières. J'en ai ici 2. Ça fait déjà 2 des 3 points de vie. 2 des 3. Et ça fait 3 et 2, 5 PV. Ça fait déjà suffisamment pour le tuer. Est-ce qu'il réussissait son autre ce garde invulnérable? Oui. Eh bien, au revoir. Oh,
Il s'est vengé. Il s'est vengé. Vendetta. Non. Oh mon Dieu. Bon, eh ben, je vais continuer sur ma lancée. Je vais me venger. Je vais me venger. Les Corpuscari vont taper sur tes petits pimpins. À commençant par ces deux Corpuscari qui tapent sur le Lictor. Donc c'est un moins 1. Règle spéciale des Corpuscari, lorsqu'ils chargent, je désigne une de mes unités ciblée par la charge. Et je lance un dé pour chaque figurine dans cette unité. Sur un 6, l'unité ciblée prend une blessure mortelle. Combien de gaunes y a-t-il dans l'escouade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 gaunes. Nous allons donc lancer 16 dés. Mm-hmm. Tiens, je veux bien que tu nous... Cadre, je reprends. 6, 9, 12. Là, t'as un dé encore. 13, 14, 15, 16. Sur des 6, une blessure mortelle. Un seul 6. Bon, bah, une mortelle. Pouk. Nous allons donc taper. Quoique Pouk, je dis Pouk par là. Voilà. Nous allons donc faire taper. Avec deux prêtres sur le lictor, à moins 1 pour toucher, sur du 5. Deux touches. Mm-hmm. Forceux 5, c'est du 3. 4. Relance les 1 pour blesser, parce que nous sommes le monde forge Risa. Une sauvegarde. Save sans malus. Sans malus, pas de pire. Hop. Eh ben non. Un PV. Il lui reste donc 1. Les autres prêtres vont taper dans les gaunes, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 gaunes, prêtres. Ce qui nous fait 10 attaques qui touchent à 4 plus. Mm-hmm. Avec la particularité que les 6 pour toucher font 3 touches au lieu d'une, comme en phase de tir. Ok. Touche à 4 plus. Pas de 6. Pas de 6, très bien. Force 5, relance pour blesser les 1. Donc 3 plus. Pas de 1, ce qui nous fait 6 sauvegardes. Alors, 6 sauvegardes. Hop, 6 sauvegardes à 6. J'en réussis une. J'ai 5 morues. L'unité fait sa mise en contact. Mm-hmm. Et du coup, je vais riposter. Non, monsieur, car j'ai encore des unités qui ont chargé. Les infiltrateurs vont d'abord taper. Vas-y. Alors, je vais faire leur mise en contact. 3 pas. Ce qui devrait nous amener ici. Mmh. Ils ont 2 attaques chacun. Ce qui nous fait 10 attaques plus une pour le sergent d'unité, le Princeps. 11 attaques qui touchent à 3+. Les 6 pour toucher, comme pour les Corpuscari, font 3 touches au lieu d'une. Ce qui nous rajoute 1, 2, 3 touches. Force 6, PA 0, dommage 1. Ce blesse donc sur du 2. Ce qui nous fait, relançant les 1 pour blesser, tout ça de blessure. Ce qui nous fait 4, 6, 8, 10, 14 sauvegardes sur tes voraces. Alors, 14 save. A6. Finopane A6. Eh ben non. Donc ça nous fait alors hop, un socle mort, deux socles morts, trois socles morts, quatre socles morts. Donc 3 et 4. Il reste plus que un socle. Je vais faire ma mise en contact de 3 pas vers l'objectif 1 et je vais venir te le contester. Il restera la barge de bataille à tir attaqué. 3 attaques, aucune touche, c'est donc à toi de répliquer. Je vais faire mon Lictor dans les électroprises. Donc à 2 plus. Touche, c'est force 6, endurance 3, donc sur du 2, et eh bien ça nous fait 3 save à moins 1. 3 sauvegardes invulnérables à 5+, raté, ça fait 3 morts, mais nous avons un Finopane, bah, ça fait 2 par dommage 2, c'est cela, ouais. Donc le premier
est mort, le deuxième est mort aussi, et le troisième est mort aussi. Ça nous fait donc 3 prêtres de mort, et nous allons retirer... Nous allons retirer les prêtres qui sont ici. 1, 2... 3... On va laisser le lecteur engagé. 1, 2... Du coup, les gones vont faire 2 attaques sur les électroprises. À 4, ça touche. Force 3. Allez, une save. On a vu réussi à 5+. Et les 7 autres sur le véhicule. À 4. Et à 6. 6 pour blesser, rien du tout. Fin de la phase de corps à corps Adeptus Mechanicus. Oui. Nous sécurisons l'objectif 3. D'accord. Et c'est au tour des tyrannies. Et un petit test de morale? Il y aura un test de morale à faire pour les Corpus Cari qui ont commandement de 8. Ils ont perdu 3 des leurs, c'est un test à moins 3. Et ils sont à portée de la barge bataille qui est équipée de datacab à large spectre. Ils ont plus un commandement, commandement 9. Moins 3, ça fait 6. Pas besoin de test. D'accord. Bah, fin du tour, Mechanicus. Début du tour 3 Tyrannides, j'ai pioché sécurisé le 2, qui est tout au fond là-bas. Du coup, je vais j'ai un peu bougé, je vais tenter d'aller me faire les 5 infiltrateurs avec tout ce qui le peu qui me reste. La couille a avancé pour tenter d'aller loquer le véhicule et tirer dans les vanguards. Ça, c'est resté au cac. Le lictor, il est resté au cac aussi. Le vorace est allé se planquer derrière les tuyaux tout en sécurisant le 4. Et du coup, la phase psy. Alors, le neurotrope va balancer un smite sur les vanguards. Sur les infiltrators. Voilà. Reroll D1, heureusement. Pour faire 2, voilà, très bien. Neurotrope, hurlement psychique, ça passe, ça fait des 3, ça fera 3 mortels. Ça fait donc 3 points de vie, 1 mort et 1 blessé, car ils ont 2 points de vie. Ouais, du coup, phase de tir, la couille va tirer dans les vanguards, donc c'est 5d6 tirs. Qui ont plus 1 pour toucher, c'est ça? Qui ont plus 1 pour toucher parce que tu as 10 pélos. Hop, 9, 9 et 9, 18 tirs. Alors, qui touche à 4+. C'est plutôt pas mal. C'est force 5. Donc ça blesse à 3. Hop, hop. Et du coup, ça nous fait 6 saves à moins 1. Ça garde donc à 5+. 6 morts. Voilà, très bien. Ce qui fera un beau test de morale. Le lictor va faire ses 2 tirs de crochet au corps à corps. À 4. Nope. Il est trop nul. Fin de la phase de tir. Phase de cac. Du coup, je vais envoyer en premier le malanthrope qui va charger le véhicule et les infiltrateurs, enfin les machins d'or, enfin bref. Les 4 connards là, putain. Chier. Les malanthropes chargent donc les 2 unités, ce qui nous fait, je vais utiliser le même stratagème que la dernière fois pour le Dune Rider, je dépense un PC. Je fais donc 12 tirs de mitrailleuse à CT normal. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça touche donc à 3+, mais j'ai un malus de moins 1 pour le toucher, c'est ça? C'est ça. Ça touche donc à 4. Ça touche plutôt pas mal. Endurance combien? Endurance 5. C'est du 5. Tu as 2 blessures. Alors, 2 save à 5. Fine pain à 6. 1 PV. Et donc maintenant, nous avons les infiltrateurs qui vont faire 20 tirs.
6. Touche à 6. 2 touches pour l'instant. 3 touches en tout. Force 3, c'est du 5. Une blessure. Save à 5. Non, Fino Pain à 6. Bon, bah 2 PV. C'est une charge à 6. Ça passe. Maintenant, la couille va charger le bâtiment. Enfin, non, le bâtiment. Le véhicule. C'est une charge à 6. Ça doit passer. Ça doit passer. Si je suis à 7, ça devrait être bon. Oui, pas de problème. Bon, on va avoir des problèmes de tentacules et de... Oh, ok, vas-y, passe. Ça frotte. Ensuite, le neurotrope va charger parce qu'il a pas peur. Charge à 8. Ça passe. Pouf. Les gants vont charger. Tout le monde y va charger. Charge à 11. Ah, eux, ils font. Sans problème. Ils font triple salto et. Hop, ils arrivent. Et en plus, ils pourront utiliser leur règle spéciale de consolidation. Voilà. Pour les charges, c'est tout, ma foi. Et du coup, je vais taper. Alors, on va commencer par les gaunts. Donc, 2, 4, 6, 8. 8 tatanes. Ah, 4 plus. Reroll D1 grâce au VF. Force 3. Endurance 3. Donc sur du 4. Voilà. Une sauvegarde à 4 plus. Un PV. Donc un mort. L'attaque du neurotrope tout seul. Nope. Je vais dépenser 2 PC. Vas-y. Pour interrompre la séquence et faire taper les infiltrators dans en premier. Je vais même déclencher un autre stratagème pour un PC. Je fais plus 1 à leur jet de touche. Ce qui nous fait donc 6 attaques, plus 1 car le chef est toujours vivant. 7 attaques qu'ils touchent donc à 2 plus. Et ils vont viser. Qui est ton seigneur de guerre déjà ? Le neurotrope. Eh bien, ils vont viser le neurotrope en touchant donc à 2 plus. Pas de relance, malheureusement. Les 5 feront 3 touches au lieu d'une. Ça nous rajoute ça. Force 6, c'est du 3. On relance les 1 pour blesser. Ça va donc sur du 3. Et on relance les 1 pour blesser. Ce qui nous fait donc 6 sauvegardes. Alors, 6, 1 vue à 3. Voilà, les 1 vue à 3, ça ne marche jamais. C'est du carton. J'ai une reroll parce que je suis Léviathan, c'est mon trait de seigneur de guerre. Très bien. Passe. Deux Fino Pain à 6. Non, je prends 2 PV. Il en reste 3. Très bien. Et donc tu peux continuer à taper. Ouais. Le Malentrop va taper dans les 3 petits gadgets. Infiltrator. A 4 plus. Touche. C'est force 4. 3. Sur du 3, ça fait 2 save à moins 1. Ça fait 5, une sauvegarde T. Ça fait des 3 dégâts, 2 dégâts. Il y a un mort. Ensuite, qui a chargé la couille? Alors, la couille, elle a des 6 attaques, il me semble. Attaque, des 6 attaques. Touchant sur du 5. Alors, des 6 attaques, une attaque. Très bien. Sur du 5, très bien. Et ensuite, en unité qui n'a pas frappé, j'active le Lictor. Enfin, qui n'a pas chargé. Donc, sur du 2. Merveilleux, ça. Hop, et ça fait une blessure. Une invulnérable à 5 plus. Vas-y. Ici. C'était magique. Et du coup, c'est une unité à toi. À moi de répliquer. Je déclenche les Corpus Cari pour taper. Mmh. Les Corpus Cari qui vont taper, je ne peux pas briser ma cohérence d'unité telle qu'elle, donc je suis obligé de faire taper sans bouger. Deux Corpus Cari sur les Gaunes et un Corpus Cari sur le Lictor. Le Corpus Cari sur le Lictor, il touche donc à 5+. Car il a moins 1. Il ne touche pas. 3, et les Gaunes, sur les Gaunes, 4 attaques, touche à 4+, 2 touches, force 5, 2 blessures.
2 save à 6, 2 morts, 2 morts de plus. Et nous allons faire taper la barge, 3 attaques touchant sur du 6, rien du tout. Je fais taper les gaunts. Donc pareil, 2 gaunts sur les électroprestes et 5 gaunts sur la barge. Les 5 gaunts sur la barge à 4, à 6, rien. Sur les électroprestes, 2 touches, 2 blesses. Une sauvegarde réussie, peut-être un Fino Pain. Non, un mort de plus. Un mort de plus. J'ai encore une barge qui peut taper. Oui. Elle va taper sur le malanthrope. Mm-hmm. Rien du tout. C'est le moment du test de morale. Ouais, j'ai un test de morale avec les gaunts parce que je suis trop loin de mes synapses. D'accord. Donc commandement de 5, j'ai perdu 2 gars. C'est bon. 3 et 2, 5, c'est tout bon. Quant à moi, j'utilise mes 2 derniers points de commandement pour réussir automatiquement le test ici, car cette unité tient encore l'objectif 3 et j'en ai besoin. Je n'ai donc plus 2 points de commandement. Cette escouade n'a pas à en faire. Par contre, ici, nous avons 3 morts. Nous avons commandement de 8, plus 1. Non, commandement de 7, plus 1, 8, parce que nous sommes à portée de la barge. De la barge. C'est bon. Ils s'en foutent. Et du coup, je ne score toujours rien. Donc, je vais défendre l'objectif 2 parce que je le ferai, je pense, jamais. Et c'est parti pour le tour 4 des Skitari. Phase de mouvement de l'Adeptus Mechanicus. Alors, j'ai tiré tenez la ligne et défendre l'objectif 1. Il me faut donc défendre l'objectif 1 qui est par ici. Il y a du monde. Il y a du monde. Donc, je vais essayer de faire un maximum de dégâts. Daedalosus s'est rapatrié sur le flanc droit. Un des destroyers est descendu pour prendre l'objectif 3, tandis que les vanguards avançaient pour se mettre en position de tir sur les escouades qui sont là. Ouais. La barge s'est désengagée et a essayé de se rapprocher de la zone de déploiement adverse pour éventuellement, à un moment donné, scorer le briseur de ligne. D'accord. La barge qui est ici était enfin capable de se désengager, elle est partie dans cette direction avec le même objectif. Ouais. Les corpuscari sont restés dans la même position, engagés au corps à corps. Et c'est le moment de tirer. Vas-y. Daedalosus profite du fait que la couille volante soit gigantesque pour déclarer que son omniscanner la cible. Toutes les unités admec à 6 pouces auront plus 1 pour toucher la couille. Ok. Donc nous allons faire tirer les Cataphron Destroyer sur la couille volante et nous n'allons pas surchauffer. D'accord. Donc 3d6 tirs de force 7 touche donc à 3+, et cette moins fois 1. Nous allons choisir le quantique pour être relance léger pour toucher au tir. Donc ça touche à 4+ et il n'y aura pas de surchauffe. Ça nous fait donc 12 tirs. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 tirs qui touchent à 4+. On lance les 1. On le jette. Ils sont assez en forme sur cette partie. Endurance combien? 6. On laisse donc à 3+. Il y a donc 5 sauvegardes à moins 3 sur la sporokiste. Alors, 5 save à moins 3. La tyrannocyte, pardon. Tyrannocyte. Je ne crois que je n'ai pas de sauvegarde. Tu dois avoir une 4 plus d'armure si je ne fais pas de bêtises. Oui, j'ai une 4 plus. Donc je n'ai pas de sauvegarde. Bah non. Non, c'est juste les Finopane. Voilà. Donc Finopane à 6. Voilà, c'était utile. Donc ça fait 5 PV. Les vanguards sont également à 6 pouces de Daedalosus et vont prendre la même unité pour cible. Ils touchent donc à 3+, plus 1, moins 1, ils touilleront toujours à 3+, en relançant les 1. On va cette fois surchauffer avec les plasmas, donc on va faire 2 par 2. Le premier plasma, une touche. Le deuxième plasma, 2 touches. Et le troisième plasma, 2 touches aussi. Force 8, reine moins 1. Je n'ai pas fait d'or. Ça blesse donc sur du 3. Ouais. Ah ! Très bien. Une blessure. Dommage 2. Dommage 2, donc 2 Finopane.
ce CPA moins beaucoup. Et ben 2 PV de plus. Et nous avons 6 tirs de carabine radium, touchant à 3+, relançant les jets pour toucher qui font 1. 2 touches de plus. Enfin, 4 touches en tout. Force 3, c'est donc du 6, PA 0. Mais les 6 pour blesser seront dommage 2. Rien du tout. Nous avons pour finir les tirs de pistolet. Ouais. Des infiltrators qui vont décider de tirer dans le chef. Il lui reste 3 points de vie, c'est ça? C'est ça. Eh bien, on va tirer dans le chef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À moins 1. Touchant à 3+, donc à 4. Et relançant les 1 pour toucher grâce au quantique. Ça nous fait donc 6 touches de force 3. Endurance. 5. 4, pardon. Sur du 5, tu as 4 sauvegardes. 4 sauvegardes. Allez, 4 invus, 3+. Fino Pain à 6. Non, je perds un PV. Il en reste 2. Fin de la phase de tir de l'Adeptus Mechanicus. On va passer au corps à corps. Alors, par où tu veux commencer? Je vais déclarer que les infiltrators vont taper en premier. Et ils vont se rapprocher le chef. Vas-y. Touche à 3+. Il y a un 6, ce qui rajoute 2 touches. Force 6, c'est du 3. On relance les 1 pour blesser. Il n'y a pas de 1. Ça fait 4 sauvegardes à 3+. Allez, c'est le moment de tanker. 4 sauvegardes à 3. Ah yes, yes. Tac, j'utilise ma relance de tour. Voilà, toujours utile. C'est par tour ou par round? C'est par tour. Ah d'accord, c'est bien. Tac, il me reste un PV. Joli. Serrage de fesses à fond. Il l'a échappé. Ben. Bon, mon gars, après. C'est à toi de choisir pour taper. C'est fuite. Fuis, mon gars. Fuis pour ta vie. De notre part, parce qu'on est la pression, tout ça, oh beaucoup Dieu de pression. Ah, enfin bref, il a fait une intervention héroïque sur les deux pélos là pour tenter de faire quelque chose. Mais d'abord, mon petit Lictor va taper sur les électro-priestes. Allez, mon petit gars, ne me déçois pas, sinon bah, je te sodomise. Hein. Écoute, c'est comme ça. Ah ben voilà, bah, la sodomie, tu vas y avoir le droit. Est-ce que c'est un anu, un tyrannide? Je ne sais pas. Écoute, je te dirai ça ce soir. Et ça fait une blesse à moins 1. Dégâts. Vulnérable à 5+, qui est réussi. Donc décidément, Lictor, tu es de la merde. Je vais faire donc taper les corpus carry qui vont du coup faire taper un corpus carry sur le Lictor, toujours le même. Est-ce qu'il est possédé par le démon du combat? Une touche, monsieur. Oh là 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 là. Normalement, ça t'offrait 3 touches, mais comme tu as moins 1 pour être touché, ça tu y échappes belle. Force 5, c'est du 3. Et ça blesse. Oh. Donc tu as une sauvegarde et tu n'as plus qu'un PV. Ah. Suspense. Oh, yeah. Bon, je te sodomise, mais je mettrai de la vaseline. Ah, c'est gentil. Parce c'est que tu me fais plaisir. Nous avons donc 2 corpus carrés qui tapent dans les gones, mais cette fois-ci, les 6 pourront faire des touches supplémentaires. Aïe, aïe. Encore faut-il en faire. Ah, ça c'est beau. Ça rajoute 2. Et le 3 ne touche pas. Ça aurait été encore plus beau si le manipulus était encore en vie, parce que son aura permettait de relancer tous les jets pour toucher. Mais bon. Ça blesse donc à 3. Nous avons donc 6 blessures dans les gaunt. Alors, 6 blessures dans les gaunt. Donc, allez, save à 6. Ouh, j'en réussis 2. Je n'ai pas de feel no pain, je suis trop loin d'un synapse, donc j'ai 4 morts. Et il y aura un joli test de morale. Oh oui, oui, oui. Du coup, bah écoute, je vais tataner avec tout le monde. Hop, les 3 gaunt sur les priest. Alors, 3 petits gaunt à 4+. C'est pas mal. À 4+, c'est pas mal. C'est même très bien. 2 save. 2 sauvegardes invulnérables. Une réussite. Un Finopen à 5, un mort. Très bien. Nous allons retirer celui-ci.
Ensuite, nous avons les Gaunt qui vont taper. Et de toute façon, je vais mourir au moral. Peut-être. Dans le doute. Le doute m'habite. Il me pénètre. Alors, les Gaunt sur les deux félos. Allez, faites quelque chose, les gars. Pourquoi pas. Endurance 3. C'est du 4. Oui. C'est du 4, donc ça fait 2 saves. A 4 plus, j'envoie une de réussite, un PV. Ensuite, Monseigneur de guerre fait une attaque de papate. 3, je crois pas que ça touche. Arbitrage vidéo. Arbitrage vidéo. Est-ce qu'elle est passée? Là, non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, c'est du 4 plus. Le Malentrop va faire ses 3 patates à 4. 4 attaques. 4 attaques, oui. C'est un fou. Eh ben, ça fait 2 patates. Ça fait 2 saves à moins 1. Moins 1 se regarde à 5 plus. Allez, survivez. Ah, un dommage qui passe. Des 3 dommages. Des 3 dégâts. Un dégât. Eh bien, ça ne fait plus que le Princeps qui reste envers et contre tous, au corps à corps. Fin de la phase de cac. Petite conso. Et du coup, le Malentrop va balancer sur un 4 plus une mortelle. Eh ben non. Très bien. Test de morale. Test de morale pour mes Gaunt. 3. J'ai perdu 4 morts. Ça fait un mort de plus. Donc. Ok. Est-ce que tu scores quelque chose? Absolument pas. Et moi, de mon côté, je ne défends pas le 1 et je ne tiens pas la ligne car je n'ai pas été foutu de tuer le Lictor. Ok. Bon, bah c'est parti pour mon tour 4. Tour 4, Tyrannide. J'ai chopé du coup sécurisé le 3. Qui est toujours là. Il est toujours chez lui. Bon. Sécurisé le 4 qui est tenu par le petit Vorace. C'est très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? La couille va avancer pour charger dans cette petite troupe de débiles. Le neurotrope se planque comme un lâche. On va tenter de finir ce petit gars en phase de combat. Ça sera pas mal. Là, c'est toujours au corps à corps. Hein, on ne bouge pas, on est bien. Du coup, phase psychique. Le neurotrope fait un smite dans les vanguards. Relances-tu le 1 sachant que tu pourrais te tuer? Je pourrais me tuer, mais je me tue parce que je suis... Ah non, je me tue pas. Mais ils prennent des 3 mortels. Une mortelle. D'accord. Donc je regagne un PV. Ça c'est bien. Et ensuite, un hurlement psychique dedans. Ça passe, on va pas tenter le diable. Ça fait 2 mortels de plus. Oui. Aïe. Fin de la phase psychique. Phase de tir. La couille va balancer ses tirs. Va balancer ses tirs sur les pélos là-haut. Ok, les breachers, les destroyers. Donc, 5d6. 5d6 touches, donc 10, alors, 20, 22. 22, donc 22 tirs à 5. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. C'est force 5, tu as endurance 5. 5, et je n'ai qu'une 4 plus d'armure. Très bien. Donc à 4. Hop, hop, hop. Donc ça nous fait 6 saves à moins 1. 6 saves à moins 1, donc 6 sauvegardes à une armure à 5 plus. Eh bien, c'est pas mal du tout. 2 points de vie. 2 points de vie. Un catapron qui n'a plus que 1 point de vie. Ensuite, là-bas, le Lictor va faire ses 2 tirs de crochet. Une touche. Une blesse. Force. C'est force 6. À 5, raté, Finopay à 5, non, encore mort. Très bien.
Nous allons donc retirer celui-là. Ok. Phase de charge. La couille va charger deux vanguardes qui sont devant. Oui. Eh bien, les vanguardes vont te tirer dessus. Vas-y. En tir en état d'alerte, je vais surchauffer. Je prends le risque. Le premier meurt. Ok. Le deuxième, non. Mais ils font deux touches. Force 8, reine moins 3. C'est du 3. 4 points de vie, monsieur. Alors, 4 filles, no pain à 6. J'en sauve 2 et je perds que 2 PV. Du coup, j'ai perdu 2 PV, je charge. C'est une charge réussi. À beaucoup. Réussi. Réussi. Tout doudou, tout doudou. De toute façon, tu voles, donc tu passes par-dessus. Voilà, je... Tac. C'est tellement beau, une couille volante. Eh oui. Les tyranniques vendent du rêve, mine de rien. Ah oui. Ils ont tellement de sacs, de pustules, de tentacules un peu partout. Ça ferait bander un joueur de Slaanesh. Ah, mais ça, je pense que ça marcherait bien au Japon. Du coup, fin de la phase de charge, je n'ai rien d'autre à charger. Je vais du coup activer ma couille. Du coup, elle a plus que 3 PV, elle a plus que 3 PV. Elle touche quand même à 5, la cocotte. Elle touche quand même à 5, par contre, elle a plus qu'une attaque. Waouh! Waouh! C'est bon, moi du rêve. Allez. Ouh oh! Elle a force. Force 3. Sur du 4. Allez, la couille. Ouais, elle blesse. Ah, ta couille me blesse. Ah non. Ah, ça fait mal. Est-ce que ça blesse? Oh non, je survis. Survis. Ah, je me suis pas fait tibaguer. C'est Harry. Dommage. C'est... Regarde, gros plan sur lui. C'est Harry. Harry, le skit Harry. Il survit. Il survit tout le temps. Et du coup, je vais faire attaquer mon Lictor. Putain, il a failli se prendre un petit bag. Allez, le Lictor. Fini de faire de la merde. Bon, non. Il survit hein, depuis tout ce temps. Il m'embête. Ah, mais il blesse qu'une fois. De toute façon, pour son coup en point, on ne lui demande pas de faire des miracles. Mais mine de rien, là, du il coup, est pénible. Tu as une save. Une invue. Ah, et donc, deux Finopains, c'est ça? Deux Finopains, c'est ça. Eh bien, j'ai encore un mort. Alors on va y arriver, Fleur on de va dire. Y arriver, bah oui, on va y arriver. C'est une unité à toi de taper. D'accord, et bien où je tu vais veux taper. Taper le dernier Princeps, trois attaques. Il va taper cette fois dans les Gaunt. Très avec bien. Trois attaques, il touche à 3+. Full touche, il blesse à 2. Relance les 1. 3 blessures, monsieur. 3 save à 6. Nope. 3, 1... Ah, 2 morts seulement. À toi, tu as une unité. Yes, soy. Alors, du coup, ça va être les deux Thermagontes qui vont taper sur le priest. Il touche une fois. Il blesse pas. Très bien. C'est une unité à toi. À moi de choisir. Je vais faire taper le prêtre qui est ici sur les Gaunt et l'autre prêtre sur le Lictor. Vas-y. Sur les Gaunt. Une blessure. C'est va 6. Nope. Un mort. Et sur le Lictor. Allez, finis-le. Ouais, toujours pas. Et tout. Ensuite, les Gaunt. Hop, hop. Alors, du coup, ça fait 4 attaques. Sur du 4. Hop, ça fait 2 touches. Ça fait 2. Une blesse. Une armure à 4 survie. Oui. C'est beau ça. Très bien. Le malentrope va faire ses 4 patates dessus. Hop, ça fait 2 touches. Ça fait une blessure. Une sauvegarde à 5, survie mon grand. Ah mince, des 3 points de vie, il est mort. Il prend un PV. Il est mort. Il meurt. Aïe. Et du coup, le malentrope va loquer Le transport. Qui peut riposter du coup. Qui peut riposter, 3 attaques. Dans les. Qui va riposter en consolidant comme ça pour taper dans les Gaunt. Et il ne fait rien. D'accord. Du coup. Sur un 4 plus, tu te prends une mortelle. Puisque tu es à moins d'un pouce de moi. Tu prends une mortelle là, dans le bâtiment.
un PV. Il en reste seulement 10. Bon, on y est presque. Et je crois que la capacité de ton malentrompe s'active. S'active. Du coup, j'aurais reroll des 1 sur le Mechanicus. Pour toute ton armée. Ce qui est pas mal. Tant que ce petit Gugus est en vie. Et je vais faire fondre à oublier, ce qui n'est pas beaucoup très important, mais le dernier Vanguard va taper. Et voilà, c'était beau. C'était le dernier Vanguard. C'était le dernier Vanguard. Il y aura un test de commandement ici. Oui. Sachant que j'ai perdu 2 corpus carry à ce tour, ils ont commandement à lui. Non, il n'y a pas de test. Moi, j'ai un test pour mon Thermagaunt. Il s'en fout, il reste. Très bien. Mes gaunts sont en synapse, c'est tout bon. Et du coup, je fais sécuriser le 4. Et je vais défausser. Ouais, je vais défausser sécuriser le 3. Parce que je doute de pouvoir le réaliser. Bien, là, dans ce cas-là. Fin du tour, 4 tyrannides. Tus Mechanicus, au niveau des objectifs, j'ai tiré puissance de feu écrasante. Ouais. Je suis toujours en tenue la ligne parce que je n'ai pas réussi à tuer le Lictor. Et j'ai de défendre l'objectif 1. Cela dit, en début de round, j'ai tiré le cantique, j'ai choisi de tirer la litanie de l'électromancien. Pour rappel, au moment où le cantique s'active, c'est-à-dire au début du round, je lance un dé pour chaque unité ennemie à un pouce d'une de mes unités. Sur un 6, l'unité prend des 3 blessures mortelles. Il y avait donc un jet pour la couille, les gaunts, le malanthrope, les thermagants et le lictor. Et malchance pour mon adversaire, seul le lictor a été touché par la litanie, a pris des 3 mortels et donc est mort. Évidemment. Ce qui a permis à l'escouade de désengager pour se mettre sur l'objectif 2. Ok. Et ben. De ce côté-ci, Daedalusus s'est rapatrié derrière la ligne de Cataphron qui est descendue de son point pour essayer de faire sa peau à la dernière couille. Ici, le transport s'est désengagé du corps à corps pour se mettre sur l'objectif 1, avec dans l'idée, aidé par le deuxième transport, de tuer les gaunts et donc de prendre l'objectif. Celui-ci s'est avancé pour essayer d'aller prendre l'objectif au tour d'après et peut-être éliminer le dernier socle de vorace. Ok. Et nous allons donc passer à la phase de tir. Vas-y. Début de la phase de tir, Daedalusus utilise son omniscanner pour donner plus 1 pour toucher aux unités admec à 6 pouces de lui sur la couille volante. Nous allons donc faire tirer les Cataphron Destroyer en surcharge sur la couille, puisque avec un bonus de plus 1 pour toucher et pas de malus, donc ils vont toucher à 3+, et il n'y aura pas de surchauffe. Ok. Puisque les 1 devenant des 2. Donc 3d6 tirs plus de plasma plus 3d6 tirs de lance-flamme. Nous allons donc faire 8, 9, 10, 11 touches, tirs par an. Ce qui nous fait 6, 7. 8, 9, 10, 11 touches. Ça touche donc à 3+. Ah, c'est un peu caca. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de surchauffe. Ça blesse à 3+. Eh bien, je pense qu'elle est décédée, à moins que tu sois à portée de Phinopex C+. Non, je suis trop loin. Eh bien, est-ce qu'elle... Du coup, est-ce qu'elle explose? Non, elle explose pas. Du coup, elle est détruite. Hein? Tu marques, puissance de feu écrasante. Voilà. Le plasma Vanguard va peut-être tenter sa chance en tirant désormais sur le Neurotrope, qui, malgré son statut de personnage indépendant, est désormais l'unité la plus proche et visible. Donc, je vais surcharger, avec un risque, cette fois, de surchauffe. Mais bon, à tous, on ne prend pas à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Allez, mon petit, oh, 2 touches. Force 8, endurance. 4. C'est du 2. 2 plus. Ah, tu me fais plaisir, Harry. Ça, c'est bien. Ça. Ah, ta baguette n'est pas très rechargée, on dirait. Bon, on va continuer. De ce côté, ce tank qui a simplement bougé va tirer sur les Ormagaunt et essayer de les tuer pour pouvoir permettre à l'autre tank de sécuriser l'objectif 1. 6, 8, 10, 11 et 12. Nous allons faire touche à 4+, puisque tu es toujours en aura de Malanthrope. C'est ça. Ça touche pas trop mal. Ça blesse à 3+. Tu as 5 sauvegardes. Allez, 5 save à 6.
Non. 5 pin au pain à 6. Non. Ils sont détruits. Je commence donc à défendre l'objectif A. Et je score puissance de feu écrasant ainsi que tenez la ligne. Alors, début de mon tour 5, Tyrannide, j'ai chopé défendre l'objectif 1 que je vais tenter de contester. Sinon, j'ai planqué mon neurotrope, je suis allé là derrière pour tenter de terminer les squads de tir et de prendre l'objet. Les voraces n'ont toujours pas bougé. Donc alors, c'est parti, phase psychique. Le neuro va faire un châtiment sur la barge ici. Ça passe. Ça fera 2 mortels. Ok, il reste 10 points de vie. Ensuite, hurlement psychique. Ça passe. Ça fera 2 mortels de plus. Ensuite, phase de tir, le Therma là-bas tout seul va tirer dans les électropriestes. À 4, à 3, une blesse. Réussi. Réussi. Je n'ai rien d'autre en tir, je vais faire une charge sur la barge. La barge va tirer en état d'alerte cette fois à CT 6+. Deux touches. Rappelons-nous qu'il a déjà perdu 2 points de vie. Oui. Rien du tout. D'accord. La charge, c'est une charge à 4. Ça passe. Est-ce qu'il charge? Il va se faire défoncer en contre-charge, sans doute. Moi je tente le Therma tout seul. Les corpus qui arrivent font un tir d'Overwatch. Vas-y. Aucun 6, malheureusement, ça aurait fait 3 touches au lieu d'une. Eh ben très bien. On peut tenter de faire quelque chose. Alors, du coup, le Malentrope va taper sur la barge à 4. N'oublie pas que tu relances. Reroll D1. Tout ou. Non, relance les 1, pardon. Relance les 1. Hein. Et on n'est pas fou. Force. 4, endurance 6. C'est nul. Non. Là-bas, le Gaunt, tout seul, il touche, il blesse. Une sauvegarde invulnérable réussie à 5+. Décidément. À moi de choisir une unité, les corpus carry vont taper avec 4 attaques, touchant à 4+, une seule touche, blessant. Ta force 5 ? Oui. 4, donc une save à 6. Non, il meurt. Fin de phase de cac. Sur un 4+, tu prends une mortelle. Tu prends une mortelle. Très bien. Et je vais quand même répliquer avec la barge, même si je n'y crois pas trop. 3 attaques qui ne font rien. Ok. D'ailleurs, c'était des 3 attaques, mais ça ne fait rien. Du coup, fin de la phase. Fin de la phase de corps à corps. Pas de test de morale. Du coup, je fais toujours rien. Voilà, tu m'empêches de défendre l'objectif. Hein. Je défausse sécuriser le 2, dans le doute. Et maintenant, tu vas lancer un dé. Pour savoir si la partie s'arrête. S'arrête. Continue. Elle continue sur 3+. Ça continue. Ça continue. Tour 6. Du coup, qu'est-ce que tu nous as pioché? Eh bien, au début du tour 6, j'ai pioché 100 et tripes. Ainsi que défendre l'objectif 4. Donc ce qui me donne ceci. Défendre le 1, défendre le 4, sans les tripes et tenez la ligne. Le défendre, tu me l'as annulé pendant ton tour. Donc il va falloir que j'attende encore un tour, un round complet pour l'avoir. Ce qui paraît très compliqué. De ce côté, nous avons fait avancer les destroyers ainsi que Daedalusus pour pouvoir essayer de sniper les deux des derniers persos. Malheureusement, Daedalusus n'a pas sprinté assez vite et ne voit personne, donc sa capacité ne pourra pas être activée. Les prêtres sont restés sur l'objectif 2. La barge est allée prendre l'objectif 4 et tuer la dernière nuée, tandis que la dernière barge reste sur l'objectif 1 et tente de... en essayant, dans l'hypothèse, de tuer le malentrant. Ok. Alors, début de la phase de tir. Vas-y. Nous allons surcharger
avec Harry le Skitari. Mm-hmm. Et il va tirer sur le Malanthrope. Okay. Il surchauffera donc sur un 1 et un 2. Mm-hmm. Mais je suis tombé sur le quantique. Relance pour toucher les 1 au tir en le lentirant aléatoirement. Deux tirs de plasma surchauffé sur le Malanthrope. Ah ah, double 1, double surchauffe. Mais on relance grâce au quantique. Allez, avec froid, oui! Échanger d'un contre 2, 6, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ça blesse sur du 3. Ah, double 1, double 6, suivi de double 1. C'est plutôt pas mal. Et Harry survit à sa tentative. C'était nul, mais c'était quand même... Il y avait du panache. Il y avait pas mal de panache. Eh bien, écoute, on va faire tirer les cataphrons destroyers sur ton seigneur de guerre, cette fois le Neurotrope. Ok. Sans surchauffer, et le troisième destroyer qui ne voit pas le Neurotrope va tirer sur le Malanthrope sans surchauffer également. Mm-hmm. Donc 2d6 tirs dans le Neurotrope, ça fait 9 tirs. Qui touche à 5+, relance les 1. Pas mal, pas mal, ils me font plaisir sur cette partie. Blesse à 3+, 3 blessures, monsieur. Allez, 3-1 vu à 3. J'en loupe, j'ai ma reroll du tour. Loupé. C'est 2 dégâts. C'est dommage 1. C'est dommage 1. Feel no pain à 6. Il me reste encore 1. Et donc, des 6 tirs dans le Malanthrope. Ouais. 5 tirs. 1, 2, 3, 4, 5 tirs. Touche à 5+. Pas mal. Blesse. Mais ça ne suffira pas pour le tuer. Une blessure. Un fin de pain à 6, je perds un PV. Mm-hmm. Je tombe à 6. C'est loin d'être assez. La barre de bataille va tirer. Elle n'a pas le choix, elle va tirer dans les nuées de Vorace. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tirs. Elle a moins 1 pour toucher parce qu'elle est en tranche dégressive. Ouais. Relance les 1. Ok. Et ça blesse sur du 3. Ça nous fait donc 4 sauvegardes. 4 save à 5, parce que je suis dans le couvert. Je perds pile poil 3 PV, je suis mort. Et je récupère l'objectif 4 que je commence à défendre. Ok. Je ne commence pas à défendre l'objectif 1. Non. Je ne vais défausser. Je fais une intervention héroïque. Exactement. Avec mon Malanthrope. Du coup, sa phase de combat, je tape dessus. Je suis tout seul à jouer. Reroll D1. Voilà, c'était utile. Ça fait une save à moins 1. C'est raté. Ça fait des 3 dégâts. Un dégât. Donc, il n'en a plus que 4 points de vie. Et à la fin de la phase de combat. J'ai quand même des 3 attaques. Non. Je n'ai pas chargé. J'ai quand même le droit de taper. C'était à la fin de la phase d'assaut que tu pouvais. Donc, des 3 attaques qui font une attaque. Est-ce qu'elle touche? Non plus. Fin de la phase de combat sur un 4+, une mortelle. Une mortelle de plus. D'accord, j'en ai plus que 3 points de vie. Reste 3 PV. Du coup, fin du tour 6 de l'Anmec. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, j'ai commencé à défendre le 4, et c'est tout. D'accord. Début de mon tour 6, je contrôle aucun objectif, parce qu'il me le conteste, je ne l'ai plus. Du coup, je ne tire pas de carte, j'ai défendre l'objectif 1, ça va être compliqué. On va voir ce qu'on va faire. Phase psychique. Lui va balancer un châtiment sur la barge. Ça passe, elle prend des 3 mortels. Elle n'a plus que 2 PV. Mortels, plus qu'un PV. Hurlement psychique, ça passe. Et elle prend un PV. Elle est détruite. Est-ce qu'elle explose? Va-t-elle exploser? Ce serait rigolo. Non. Elle est détruite tout simplement. Tac. Je peux donc dire au revoir, défendre l'objectif. Du coup, fin du tour 6, Tyrannide, je commence à défendre le 1 et je vais tout de suite lancer un dé sur un 4+, il y a un tour 7. Il me semble que c'est ça. Hein. C'est ça. Et non, ça s'arrête. Ça s'arrête ici.
Salut, du coup on se retrouve après ce tour 6, oui. Qui a été bref, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose au final. Oui, tout à fait. Et du coup, ça se termine avec un 16-4 pour le Mechanicus. Victoire sur les cafards! En même temps, on jouait à domicile, vu la table. Voilà, donc, il jouait à domicile, il était aidé, bon, ben bah, voilà. Mmh. Et les cafards n'ont pas eu beaucoup de chance au tirage de Maelstrom. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est vrai que Maelstrom était... ah bah oui, quand il fallait venir choper des objectifs qui étaient dans ma zone, quand moi, de mon côté, je tirais des objectifs à sécuriser ou à défendre dans ma zone, notamment au niveau de l'objectif 3, j'étais un peu pénible. Mais il n'y a pas eu qu'au Maelstrom que tu as eu de la malmoule. Hein. Non, les dés, c'est pas ça non plus. Ah ouais, c'est ça, tu as eu... mais c'est assez, en fait, c'est assez constant, oui. De mon côté. C'est constant, ça... constant. Dans le What the Fuck. Voilà, dans le What the Fuck, dans la merde. Après, on a eu un très beau moment de What the Fuckisme avec Harry, le Skitari, à ce moment-là. Double 1 pour toucher au tir, qui aurait dû le tuer. Il les échange par des double 6 grâce au Quantique. Ouais. Et malheureusement, il fait double 1 pour blesser. Ouais, c'était Harry. Harry, le Skitari. Mon Eurotrope t'en remercie beaucoup. Ah, je peux comprendre qu'il en remercie beaucoup. Par contre, mon missile Genes Alpha a fait son office. Ah oui, il a fait la bonne surprise. Ah, ça dépend de quel point de vue. Ouais, j'ai été surpris, mais pas dans le bon sens du terme. Ouais. Parce que je pensais me sécher au tir. Par sécurité, j'avais mis des unités de corps à corps pour l'intercepter. J'ai voulu être un peu greedy en envoyant mon signal de guerre dessus. Malheureusement pour moi, la bestiole avait du répondant et donc grâce à ton stratagème, tu as pu me le sécher en retour. Ce qui était bien joué puisque ça m'a privé de ma bulle de relance pour toucher puisque le seigneur de guerre avait le trait hermétichante Primus qui permettait l'infanterie à 6 pouces de relancer pour toucher au corps à corps. Et ça a nettement diminué l'impact des corpus carrés qui étaient engagés au corps à corps contre ton Victor et les Thermagants, ce que je pensais sécher les deux escouades. En une phase, grâce au soutien du Manipulus. Donc, bien joué. Donc, il n'y a pas que de la merde. C'est pas mal. Oui, en fait, la partie était mal engagée pour toi dès le tour 1 où j'ai réussi à détruire quasiment les. Tous les Rigards. Rappelle-moi les Rigards, oui. Et en fait, on se rend compte que malgré une différence notable de puissance entre nos listes, bah en fait, la partie a été relativement serrée sur plein de points. Par exemple, ici, lorsque j'ai envoyé un assaut dans tes lignes, les infiltrateurs ont fait le café, mais se sont quand même fait rect au bout d'un moment. Ouais. Pareil pour la barge. Ouais. De ce côté-ci, tes lecteurs ont pensé qu'ils n'allaient rien faire du tout. Bah, finalement, il y en a un qui m'a bien fait chier pendant une bonne partie de la game. Ouais, à survivre encore et toujours. Mine de rien, pour 36 points, le moins 1 pour être touché, c'était plutôt cool. C'est pas mal. Ah, il a tué beaucoup de prêtres, hein, c'est lui qui a tué quasiment tous les prêtres. Il a fait ce qu'il a fait. Ouais, donc plus simple pour le Victor. Pareil, ton Broodlord, plus 1, GG, homme du match, pas de problème, avec Harry. Voilà. Harry, moi, je suis toujours pas. Et les Cataphrons ont bien géré aussi, hein, ils ont été vraiment hors staff sur toute cette game. T'as fait des putains de bandes. Bah, c'est ça qui était un peu frustrant sur cette partie, je trouve, c'est que la chance était vraiment. C'était unilatéral. Quoi. Ouais. J'avais de la chance, toi tu avais des jets assez mauvais dans l'ensemble. Donc bon, il faudra réessayer avec sur une autre partie où on aurait des jets un peu plus lissés pour voir ce que ça donnerait. Ou alors avec d'autres dés, ou alors avec une autre personne dés, parce que moi non, je n'y arrive pas. C'est vrai que je suis un peu réputé pour faire des bons jets et d'être un peu un chata. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Non, c'était une partie intéressante. Et au départ, j'avais peur que ça soit vraiment à sens unique. Et même si je te mettais vraiment la pression pendant toute la game, mine de rien, le score reste serré jusqu'au bout. Même si au final, ça fait 16-4. Tu scores, il te reste pas grand-chose, mais tu m'as fait quand même pas mal de dégâts. Ouais. Je dirais que le score final... Si, ça représente assez bien cette fin de game, puisque 16-4, tu étais en pression pendant toute la game, tu as été quasiment en PLS rapidement, mais c'est ce que tu disais. Mais c'est là que je m'en sors le mieux. C'est ça, en PLS, il est mort.
mort, il s'attaque. Voilà, c'est... Et finalement, bah, tu sauves 4 points. Je mords les mollets, je tente des trucs. Mmh. Tu sauves 4 points et avec un tout petit peu plus de chance, tu aurais réduit l'écart sans trop de soucis. Mais là, il y a eu vraiment plusieurs actions où les jeux de dés n'étaient pas de ton côté. Et ça n'a pas aidé. Voilà. Plus ton point. Voilà. Bah, écoute, c'est tout bon. Bah, j'espère que du coup, ce rapport de bataille vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Faites. À vous engager dans le Mechanicus. On recrute. Oui, il recrute. C'est ça. Et ça marche plutôt pas mal. Du coup. Plutôt. Bah, on peut quand même se féliciter que le dernier chapter approuve. Là, on est en octobre. On attend le prochain en novembre. Mais le chapter approuve de novembre de l'année 2018 était passé par là et avait envoyé un vrai coup de fraîcheur sur la Deus Mechanicus. En diminuant sacrément les coûts en points de toutes les unités et donc en rendant la plupart des entrées du codex beaucoup plus intéressantes à jouer, même dans le petit format, puisque là, tu vois, j'avais une liste avec unités différentes de chaque. Un peu de tout. Ouais. Pour 1000 points, un peu de tout. Il y avait du tir, du cac. C'était plus orienté tir de fusillade avec des unités qui pouvaient se permettre d'aller au corps à corps. J'aurais bien aimé tester la capacité, justement, faire une double charge entre Vanguard et Corpus Cari, puisque les Vanguard faisaient un moins 1 en endurance à la cible s'ils sont engagés au corps à corps, ce qui aurait pu aider les Corpus Cari à faire des jets pour blesser plus facile. Et si l'ensemble avait été soutenu par le Manipulus, relance de tous les jets pour toucher, ça aurait pu vraiment donner quelque chose de bien, surtout avec Risa qui relance les 1 pour blesser. Donc, ouais, content. À retester, quoi. Bon. Eh ben, du coup, on retestera ça peut-être plus tard, on verra. Mmh. Voilà. Et du coup, on vous dit à plus. Ciao. Ciao.